Avant de t'en rencontrer, c'était mon seul pote. Je l'invitais à becter, tiens. Ça, ça aurait été chouette. L'emmener à la campagne. Tu devais aimer ça, la campagne. Mais bien sûr, il aimait tout. Il n'était pas chiant. On lui aurait filé la môme. J'aurais dit, tiens, Wolfgang, elle est à toi. Solange, elle s'appelle. Cadeau d'admirateur. Il en aurait fait une sonate. Dis donc. Ouais. Écoute sa voix. Imagine qu'il soit réincarné. Qui ça? Ton pote, Mozart. Tu vois le coup? Réincarné, bonhomme. Tu me suis? Il est là, en bas, dans la rue. Il marche. Un peu étourdi, avec ses vêtements fripés. Il sait pas où il est. Il n'y a personne dehors. Tout le monde roupille. Tout d'un coup, qu'est-ce qu'il entend? Notre musique. Sa musique. Son concerto qui vient de quelque part. Oh, ça lui scie les pattes au mec Mozart. Il n'en croit pas ses oreilles. Alors il se laisse guider par le son. Les larmes aux yeux, il s'approche de notre maison. Il se dit, une vieille maison, ça doit venir de là. Il pousse la porte. Il entre. Il hésite. Maintenant, il entend mieux sa musique. Ça résonne dans le hall. Ça l'attire irrésistiblement. Il se dirige vers l'escalier. Il se dit, c'est pas possible qu'il y ait tout un orchestre dans cette baraque. Ou alors, c'est que vraiment, je suis devenu très populaire. Il s'engage dans l'escalier. Il monte, tout doucement. Marche par marche, avec ses escarpins et ses bas blancs. À chaque marche, son concerto est plus présent. Premier étage, deuxième étage. Il arrive sur notre palier. Il s'arrête. Il bouge plus. Il reste là, tremblant. Juste derrière notre porte, il écoute, en retenant sa respiration. Jamais il a entendu son concerto aussi bien joué. Gervase de Brumeur, un clarinettiste comme jamais il avait osé en espérer un. Tu vas vous signaler qu'il est 3 heures du matin et que je me lève à 5 heures pour aller au hall. Alors vous allez arrêter votre zinzin, sinon je vais chercher les flics. Toi, tu vas taire ta gueule et écouter Mozart avec nous. Concerto pour clarinette. Oui, mais moi, j'en ai rien à branler de la musique. Moi, ce que j'aime, c'est le silence. Gervase de Brumeur, meilleur clarinettiste du monde. Alors, assieds-toi, ferme ta gueule et ouvre tes oreilles. Mais enfin...